Nous sommes sur le plateau Espérance TV et c'est un plaisir pour nous présenter un grand thème et livre d'Ésaïe. Et c'est un privilège pour nous d'y parler, de ça, bon Dieu, qui t'est bas peuplé. En tout cas, nous les remercions, Lionel qui a la technique, qui a fait un travail remarquable. Nous les encourageons pour travailler dans la café et nous remercions aussi tous les téléspectateurs qui ont regardé et puis qui ont écouté l'émission de là, puisque l'émission de là, il a été transmis à la radio aussi. Et nous avons pensé tout ça, c'est pour permettre nous d'y entrer en contact et puis bon Dieu, plier tout et puis nous avons une bonne relation pour nous payer plus meilleurs citoyens pour le ciel. En tout cas, c'est un plaisir pour moi, le plateau de recevoir Gratien, Gratien, mettez-vous tout en nous aujourd'hui et puis un bel petit cravate Bordeaux. Bienvenue, Gratien. Merci. Merci pour l'accueil hein, et puis bienvenue pour aussi. Bienvenue, merci pour tous les auditeurs et. Auditeur, je vais bien dire auditeur parce que ça va passer en l'espérance. Espérance FM. Espérance FM. Merci pour tous les téléspectateurs à travers le monde qui a gardé l'émission. Un bel coucou fraternel. Qui bon Dieu bénisse autres. Bon Dieu bénisse nous pour nous passer un agréable moment. Merci. Alors, puis nous, en lundi dans le livre-là, plus le livre-là a venu passionnant, attirant, motivant, captivant. Ouais. Et mon crois, c'est en bénédiction que nous avons le livre prophète Isaïe et que. Combien de théologiens ont lutté contre les livres Tala, oui. Puis ils ont dit non, et le prophète Tala n'a jamais existé. Heureusement, bon Dieu mettait des preuves pour te fortifier, pour tout le monde, et pour dire que ça, bon Dieu dit, qu'il reste là. Absolument. Grâce à prier pour nous commencer. Pour Papa Dieu, nous remercions pour l'occasion, pour nous, du vrai parole là, pour nous pour trouver sujet d'espérance, sujet. Pour nous, ça remettre nous en question sujet de repentance, de confession et d'acceptation du salut que Jésus vient porter à nous. Nous avons ouvert la Bible, alors, nous l'Esprit Saint, s'il vous plaît, bon Dieu, pour conduire nous dans toute la vérité et que nous, Jésus, seul glorifié. C'est prié à nous, en nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, alors aujourd'hui, nous allons parler d'un autre thème, puisque nous allons aborder la fin du livre Isaïe. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'objet du désir de toutes les nations. Et texte de base, là, qui pour motiver nous, hein, il a trouvé quoi dit dans Isaïe 63. Mais on l'a fait un petit mise au point. Et en le questionnaire, là, il m'a dit Isaïe 1, 18. Mais ce n'est pas référence là par rapport à ça qui est écrit là et par rapport à thème là. Ouais. Donc, vrai texte là, c'est Isaïe 60, verset 3, qui t'a servi nous de motivation et de réflexion tout au long d'ici maintenant. Qui c'est qui a dit quoi, ce texte là? Alors, donc, texte là qui a dit nous, des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Des nations marchent à ta lumière, des rois à la clarté de tes rayons. Donc, nous avons ici, maintenant, une action extraordinaire, et un bon Dieu qui a porté par l'intermédiaire de l'irruption Jésus qui sauvait, Jésus qui lumière pour éclairer les nations. Et puis, donc, c'est un sujet d'espoir pour Jérusalem qui était ballotté, qui était piétiné, qui était shooté à droite, à gauche. Bon Dieu qui a restauré le peuple. Oui. Alors, nous avons compris bien l'histoire du peuple bon Dieu, grâce à bon Dieu t'a choisi le peuple là. Ce n'est pas parce qu'il était meilleur que les autres nations, mais c'était vraiment promesse qui était faite à Abraham. Et par rapport à cela, il était choisi le peuple là pour en lumière, pour les nations, pour te porter nom bon Dieu tout partout. Exactement. Mais à plusieurs reprises, le peuple là a échoué à cela. Mais bon Dieu n'a jamais abandonné le peuple là. Yes. Au lieu du peuple là, dans l'humilité, porter message espoir là, message salut là, pour que les nations éclairées. Et puis retourner à l'Éternel, peuple là, en orgueil, quoi, il gardait toute bagaille là, qu'on gouvre, il gardait pour quoi. Nous ne pouvons pas nous condamner, hein, parce que c'est exactement ça, nous avons aussi. Oui, hein, parce qu'il y a des raisons, il gardait bagaille là, pour quoi, et puis fierté, orgueil. Et puis, entre-temps, il quittait quoi,
contaminé par les autres nations. Au lieu de te attirer les nations vers yo, eh bien c'est des nations qui attirent yo. Mais c'est même controverse là nous qu'a trouvé aujourd'hui jour grâce. C'est même controverse là nous qu'a trouvé aujourd'hui jour parce que diable a toujours resté diable, péché a toujours resté le péché et maintenant et le corps humain, la chair humaine toujours qu'a trouvé plus satisfaction dans ça qui mal que ça qui bien. Alors puisque on mentionne péché, on nous attaque tout de suite. Alors qui est fait les péchés ni à sous nous et puis pour monde qui pas jamais entrer en contact et puis mota la péché. Le péché, c'est qui ça? Péché, c'est mentir bu. Péché, c'est faire rébellion. Péché, c'est ridicule pour ne pas coûter. Pour ne pas coûter. Alors, péché aussi, c'est séparation. Hein? C'est séparation. Les Adam et Eve péché, donc nous allons retourner à l'exemple original. Les Adam et Eve péché, maintenant, ici, ils ont séparé quand ils ont dit gloire à bon Dieu. Ils ont séparé quand ils ont dit bon Dieu, qui bon Dieu qui était le Père de lumière, le Père instructeur, le Père nourricier et tout. Ils ont séparé quand ils ont. Donc maintenant, là, ils ont péché, ils ont pris en décision de faire un choix. Ils ont quitté mon Dieu et puis ils ont choisi Satan. Parce que c'est Satan qui porte les propositions. Ben, ils ont comme quoi quand ils ont venu pour mon Dieu. Ils ont été connaître et maîtriser le bien et le mal au point que mon Dieu même te venu demander au conseil. D'accord. Alors, les nous péché aussi c'est transgression la loi. D'accord. Désobéissance. Alors, les nous avons examiné par exemple des chapitres là. Isaïe 58. Et tu peuple là qui a pleuré, qui a dit comme ça, mais bon Dieu, mais qui c'est qui a fait là? Nous qui a gêné, nous qui a prié, ou pas qui a répondu, ou pas qui a attendu nous? Nous qui a porté louange, nous qui a porté toute bagaille, et nous dans le caca, nous qui a prié, ou pas qui a répondu nous? Donc, alors, dans Esaïe 58, bon Dieu qui a fait, et vous savez que, écoutez ça, moi qui a dit d'autres là. Là, d'autres qui a venu pour d'autres gêner, d'autres qui a venu gêner, 58, 4, vous gênez pour vous disputer, hein, et pour vous quereller. Pour frapper le méchant du poing, vous gênez pas comme un jour de jeûne pour que votre voix soit entendue d'en haut. Est-ce que c'est ça, ce jeûne-là que je prends plaisir? Et puis, au verset 6, bon Dieu a dit, mais voici, mi gênant est-il auquel je prends plaisir. Oui. Alors, pour ce qu'on l'a, on l'a, ça qui pipiti passe. Pas exploiter pauvre là, pas couillonner yo, maintenant, pas garder rancune. Maintenant, et puis en même temps, on va venir pour célébrer le nom de l'Éternel, etc. Mais là, mon cabouche chez vous et moi, je ne vais pas qu'à nous autres. Alors, par contre, et au verset, au chapitre 59, le texte a commencé comme ça. Non, l'homme de l'Éternel, pas trop coûte pour sauver, ni Zoéli, trop raide pour ton. Le problème, là, c'est qui ça alors? Le problème, là, c'est que à deux conditions, on peut plaider maintenant. Il y a fait ça fait yo. Puis on y un pied en dedans et puis un pied en dehors. Donc en d'autres termes, il n'y a pas servi 2 mètres. Et bon Dieu, d'où on ne peut pas servir 2 mètres. Alors, à deux situations, tu as là quand même. Il n'y a pas osé crier bon Dieu, il n'y a pas pour faire. Bon Dieu, soukou nous commando, soukou nous commando. Bible a dit nous, l'Éternel a dit ici. Hein? Mais il ne faut pas d'autres croire que l'homme est moins trop court pour sauver nous. Hein? Ni je vois moins trop court pour entendre. Hein? Mais qu'a dit au verset 2, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation, une barrière entre moi et vous. Ce sont vos péchés qui me vous cachent ma face et qui m'empêchent de vous écouter. Alors, grâce à Dieu, je n'ai pas le monde qui a prié bon Dieu, ni le monde qui a intercédé, et bon Dieu n'a pas qu'à répondre. Est-ce que nous pouvons attribuer ce texte là à ces situations là pour dire si bon Dieu pas qu'à répondre c'est parce que on dit dans péché c'est parce que péché a mis un mur entre moi épisode Zoéi moi pas qu'à même temps. Alors texte là il ca élargir quoi plus parce que nous peut pas dire que bon Dieu pas qu'à attendre. Nous peut pas dire que bon Dieu pas qu'à ouais, c'est-à-dire que nous toujours dit que bon Dieu suffisamment puissant, puis ouais, nous dans la nuit la plus noire, sous la pierre la plus noire, bon Dieu, ouais, tout bagaille, il connaît tout bagaille. Mais Pierre Plaka dit nous, c'est Plaka dit nous ici, c'est que maintenant, là, nous qui pratiquons le mal, et puis nous qui invoquons bon Dieu, maintenant, bon Dieu, attend. Mais quand il y a des situations, pour qui situation, il y a différent, pour qui parce que
à mettre aux reprises, ils allaient sortir de la situation. Ils ont les moyens pour sortir de la situation et pourquoi persister. Alors donc, maintenant, ça va venir sans effet. L'esprit ne peut pas porter à rien bas. Ça va venir sans effet. Parce que nous avons l'air malheureux qui a crié. L'éternel qui attend. Et qui a délivré. Oui, et, par exemple, donc, regardez ça qui fait dans le jardin d'Éden. Les Adam et Pierre péchés, eh bien, c'est bon Dieu qui. Fait première démarche premier là. Page, première démarche là. Oui. Oui, oui. Donc, il dit, verset A, dit nous, Genèse chapitre 3, 3 verset 8 et puis 9. Maintenant, l'Éternel appelle à l'homme et lui dit, où es-tu? Et l'homme, tant voit bon Dieu, et puis il prend courir, il a laissé, et puis il a allé chercher, fait figuier, pour faire, ou l'Éternel a dit, et pour dialoguer, mais où étais-tu? Je me suis caché, j'ai entendu ta voix. Mais bon Dieu a dit, mais qui moun qui apprend nous quand on est tenu, puisque c'est la gloire bon Dieu qui te couvert ni dit yo. Mais nous quoi la laideur du péché, grâce à ces conditions, c'est rejeter bon Dieu. L'eau qu'a péché. Oui. C'est rejeter. Ça oui. Grave, ça grave. Péché, péché, c'est rejeter bon Dieu. Et là, rejeter bon Dieu, là, rejeter, écoutez ça, hein? C'est important. On ne peut pas être net. On ne peut pas dire, rejeter bon Dieu, puis. Mon nec, ma panier, les pièces puissance, pièces domination. Mais, ou quoi, ouvrez les bras à Satan pour dominer en l'air. Et ça, pour nous comprendre, et c'est ça que nous demandons les téléspectateurs et les auditeurs de comprendre oui. Que l'on a joué et puis le péché, ou qu'on reste en dîner Satan, et puis dit fait, ou qu'on a joué, et pour nous laisser sans la main. Puisque le salaire du péché, le résultat du péché, c'est la mort. Exactement. C'est salaire mort. Du péché. Romains 6, 23, oui. Salaire du péché, c'est la mort. Mais donc, gratuit, bon Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, alors, notre Seigneur. Ça va permettre nous d'aborder l'autre point. Mais qui monde qui pardonne? Et qui monde peut être pardonné? Esaïe 59, verset 15 à 21. Et oui. Tabano, quelques éléments ici. Ah, c'est un texte qui est magistral. Nous, quand dit ce moment-là, nous encore dans le plan du salut, là, ici. Oui, alors, oui. Verset 15, nous avons dit, la vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a point de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne que personne n'intercède. Alors, son bras lui vient en aide et sa justice le sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour son vêtement et il se couvre de la jalousie comme de manteau. Il rendra à chacun selon ses œuvres la fureur de ses adversaires, l'appareil de ses ennemis, et il rendra l'appareil aux îles. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et la gloire depuis le soleil et le vent. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Écoutez bien verset 20. Un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Et mon alliance, maintenant, et voici mon alliance que je ferai, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne te seront point retirées de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Oui. Alors, tout le monde qui a converti, qui a profité, qui a bénéficié du salut, a dans un monde de les ténèbres carines. Alors, au lieu de poser question, hein? Qui moun ki péché et ça te plus important pour parce que c'est une question qui est inutile. C'est une question qui est inutile parce que la Bible a dit tous, tout monde péché. Tous. Tout monde péché. Logé à la même ancienne. Mais, tous alors, ont péché. Est-ce que la vraie question c'est pas qui moun qui pardonne? Exactement. Exactement. Qui moun ki pardonne? C'est ce moun maintenant qui a converti koyo. Qui a confessé péché, qui a reconnaître mauvaise voie, ça après, ça verset 21 dit nous, un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leur péché, dit l'Éternel. Oui. La conversion, maintenant, c'est indispensable pour nous, péché, recevoir le salut. Alors, donc, nous croyons là que le salut n'est pas venu par les œuvres, non, mais c'est par l'acceptation
de la grâce de Jésus-Christ. Alors, qui ça, Romain? Un autre texte là. Mm-hmm. Romains chapitre 3, 20 et puis verset 23, c'est des textes que nous connaissons, mais il est bon pour nous reprendre ce texte là pour rappeler et qui ça, Paul, a dit à souder tel thème qui est mm-hmm. important. Romains 3, puis, verset 20 à 23. Romains 3, verset. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, et il n'y a point d'exception, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ça, c'est l'un des plus belles passages pour absolument. Montrer que nous tous là logés à la même enseigne. Mm-hmm. Nous ne pouvons pas dire comme quoi nous meilleurs qu'un autre, mais nous tous là, c'est des péchés. Oui. Et nous tous là, nous faveur, bon Dieu. C'est angoisse. Mm-hmm. C'est angoisse. Alors, c'est détourner regard nous dit nous-mêmes. Mm-hmm. Dit pour nous pas battre l'estomac nous pour nous dire nous pas jamais mettre pick-up à personne, nous toujours faire bien, nous toujours bas en verre de l'eau, nous toujours bas en verre lettre, nous toujours bas en peine, nous toujours faire ceci. Maintenant, nous mériter ça lit. Non, nous pas mériter rien car Esaïe a dit nous toutes les fois nous fait ça. Mm-hmm. Esaïe 65 verset 2, il a dit qu'on a nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Quel que soit acte de bravoure ou peut faire sous la terre, au point d'y sauter de toi pour venir sauver un petit moment qui est innocent et puis ou perdre la vie ou tu vas la sauver, c'est pas ça qui est garanti le salut. Oui, oui. Salut s'obtient gratuitement en acceptant la grâce de Jésus. C'est là nous croyons que tracera le péché quitter un dit dans le monde là. C'est pourquoi Esaïe, Kaïba, nous, vraiment, en finalité extraordinaire. Ah, oui. Et puis, Gratien, mm-hmm. ça fait péché, t'as là, qu'il finit en l'air. Ah, oui. En tout cas, pendant nous, on dit dans Montala, il y a un appel universel qui lance. Mais, c'est l'un des passages favoris mm-hmm. de tout prédicateur laïque, et c'est important. Un appel lancé, Bakimoun, oui. Et Kimoun qui concerné. Donc, alors. Texte la Macaline, Esaïe 60, alors, Esaïe 60 hein, à partir du verset 1er. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Verset 3, tu nous lis un texte de mémoire. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte les yeux alentour, regarde. Tous ils s'assemblent et ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, tes fils sont portés sur les bras. Tu tressailles dans les graisses, etc. Un ouest est là. Là, nous avons abordé Esaïe 60, verset 1 et puis verset 10. Verset 10 a dit, « Mis les ténèbres, qui a couvert toute la terre. Depuis mon lit texte là, c'est au moins qu'a voyé moi tout de suite en Genèse chapitre 1er. Ouais. La terre était informée vite, vite ténèbres sur toute la surface de la terre. Et Dieu dit que la lumière soit. C'est extraordinaire. Que la lumière fut, la lumière soit. C'est extraordinaire. Donc, et là, qui mon texte là qu'a interpellé ici? Texte là qu'a interpellé premièrement, peuple bon Dieu. Qui, à cause de rébellion, désobéissance, c'est nous en 59 là, bon Dieu qui a dit, mais moi, c'est un appel universellement qui a voué d'autres pour le salut. Maintenant, là, mais moi, pas trop coûte pour sauver. Moi, quand il montre ça, je suis capable d'y faire. Mais, repentez autres. Nous, aussi, il a dit, convertis autres. Maintenant, convertis autres. Donc, lumière a qu'à y venir. Maintenant, ça c'est la promesse ici de la première venue de Jésus qui qu'à y venir pour éradiquer les ténèbres du péché. Rappelez-vous, là Jésus vient en la terre. Diable a tenu pouvoir en l'air. Tout le monde, la voix prophétique est en depuis Malachie. Maintenant, Satan est en possession et c'est pour ça. Maintenant, là Jésus, Adam ministère aujourd'hui, il tenu
grand quantité incontrôlable des monde qui tenait démons en dedans yo ténèbres tout partout à sous la terre. Jésus vini, il dit je suis la lumière du monde, il porte les ténèbres. Donc il ca annoncer ici à Israël qu'il recevrait lumière à condition qu'il repentit. C'est en lumière non pas qu'il a sorti du dedans d'Israël, mais c'est en lumière qui est extérieure à lui, à Israël, maintenant pour clairer Namni. Rappelez-vous, Jésus dit l'œil est la lampe de ton corps. Mais si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si il est en mauvais état, imaginez combien grandes sont les ténèbres qui sont dans ton corps. Alors, c'est un langage spirituel ici. Alors, nous croyons que il n'y a pas de collaboration entre ténèbres et puis lumière. Pièce. Et pour nous, en séparation, en démarcation. Et c'est ça, c'est ça bon Dieu fait depuis le départ. Alors, là, Jésus vient, il dit comme ça, moi, c'est lumière du monde. Jean 8, verset 12. Oui. Donc, et puis ensuite, il a dit nous que vous êtes la lumière du monde. Mais nous devons reconnaître que, en disant nous, pas une pièce lumière parce que le cœur est mauvais, il est méchant, il est tortueux. C'est ténèbres qui ont dit dans toi. Faut Jésus rentrer en disant toi. C'est pourquoi 2 Corinthiens 5, 17, qu'a dit ça. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, on nous garde en collaboration, Esaïe 61, verset 2. Oui. T'as dit, en nous lit verset Yon. Yon et puis de l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a moins pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers. Maintenant, la délivrance, verset 2, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance pour notre Dieu, pour consoler les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle terrain bête de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Là, nous te dit dès le départ, Gracien, que livre t'as la sang, livre qui est puissant, et nous peut crier que c'est l'évangile en action qu'il a. L'évangile en action. Alors, qui dit qui moun, et prophète là qui a parlé ici, là, qui a dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, a sous moi. Alors, pour comprendre le texte là, maintenant, pour les Hébreux, ça était plus difficile. Oui. Parce que pour contenir le Nouveau Testament, mais là, nous avons vérifié dans le Nouveau Testament, Luc 4, à partir du verset 16. Oui, 16 à 18. Ouais, 16 à 20, alors, 29. Parce que tout passage là, à partir du verset 16, qui concerne Jésus, qui vient pour premier sermon dans la synagogue de Nazareth. Alors, on nous prend un texte là, parce que c'est un texte qui est intéressant. Luc 4. Puis qui a fait vraiment en ouellet, et puis Esaïe 61, verset 1 et 2. Luc 4, à partir du verset 16. Et nous savons que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Ben, c'est ça, moi, tu as fait un chapitre 4, verset 1. Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain où il fut conduit par l'Esprit. Ensuite, après, il sortit dans le désert. Il se rendit, verset 16, à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Le roi mit le livre du prophète Esaïe, l'ayant déroulé, il trouva à l'endroit où il était inscrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Maintenant, est-ce que nous avons lu tout? Nous pas lu tout. Et puis ensuite, Mila, alors, au verset 21, alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Voilà donc. Extraordinaire, regardez en prophétie qui ici. 800 ans avant. Esaïe 61, eh bien, il a venu en réalité en disant Luc 4, 16 et suivant. Mais alors, l'évangile, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Jésus rempli du Saint-Esprit qui a dit ça dans la synagogue de Nazareth. Maintenant, pendant le jour du sabbat, oh, adorateur qui vient adorer pendant le sabbat, à la fin du discours de Jésus. Et puis, oui, Mathieu, que Jésus sautait en partie de ce discours-là. Il n'a pas parlé du jour de vengeance. Il n'a pas parlé ici à la du jour de vengeance. Alors, nous croyons profondeur et puis longueur, grandeur,
prophétie Esaïe. Esaïe qui a présenté Messie qui est venu, il a réalisé ça. Mais jour de vengeance là, il a quitté pour seconde vinissement. Là il a venu la seconde fois et c'est là la vengeance, la rétribution. Là nous quoi vient dit dans Esaïe 61. Oui. Nous quoi ouais que et la mission de Jésus c'est une mission salutaire puisque il a dit comme ça que il vient oui. pour guérir. Oui. Yokini tchè brisé, brisé pour proclamer aux captifs la liberté et puis et aux prisonniers la délivrance. En qui ça texte là qui concerne nous jeudi jour? Nous prisonniers, ici, Satan. Hein? Nous fermons dans l'étau Satan. Et puis des traditions. Et puis des traditions, toutes sortes de choses. Qui ça qui passe? Maintenant, parole de Dieu, qu'on mette de côté. La superstition, les traditions, maintenant, qu'on prend plus l'ampleur, plus volume que connaissance parole bon Dieu. Alors donc maintenant tout ça qu'a produit en des ténèbres en dit dans la vie nous, ténèbres en dit dans l'esprit nous, ténèbres en dit dans nous. Nous puisons en puissance qui est extérieure à nous pour éradiquer les ténèbres là et puis restaurer nous à l'image bon Dieu. Et c'est ça l'esprit bon Dieu qu'a fait par nous. Grâce à nous fini texte là passionnant. Mais en nous en dit dans Esaïe chapitre 61 verset 2 pour nous parler des jours vengeance là. C'est qui ça, oui. Mais Jésus, c'est un pédagogue extraordinaire. Jésus s'est pété pour un verset à tout entier oui, à Esaïe, oui. puis exposé. Malgré il pas fait. Bible a dit nous comme ça, là où Jésus finit par aller, maintenant, je te parle pour te tuer depuis en synagogue là. Mais il dit non, nous ne pouvons pas tuer en synagogue là. Nous faisons monter en l'air, rôter, marcher pour te précipiter, mais il passe en milieu d'eau. Là, Jésus dit comme ça, le jubilé. Pas qu'à pratiquer le jubilé. Parce que d'autres qu'à faire, maintenant c'est mon nom qui te vend tes bazotes là. D'autres qu'à garder caution yo et d'autres qu'à faire yo payer l'impôt toujours alors que le jubilé là. Le jubilé c'est un moment de chercheur et tu auquel maintenant on doit remettre maintenant le malheureux qui pas te payer si ben y a besoin ou te prêter l'argent ou bien t'a acheté taille pour machin. Alors l'autre c'est mon nom qui lever mauvais. Alors est-ce que et portion ta là c'est pas et jour de vengeance de Dieu, c'est pas la réalisation de tout ça qui est fait au grand jour, au dernier moment. Exactement. Puis, mon Dieu qui est venu rétablir toutes choses. Exactement. Et ben nouvelle terre, des nouveaux cieux. Est-ce que c'est pas la finalité en réalité? Mais c'est ça. Mais c'est ça. C'est lorsque Jésus-Christ qui apparaît. Parce que souci Jésus. Adam ministère lui, c'est pas pour prôner maintenant que si autres pas faire ça, maintenant papa moi qui détruit autres qui reçoivent malédiction. Jésus autant que faire ça peut prôner la bénédiction dans le souci de l'obéissance, de l'engagement et puis dans l'amour parce que Jésus c'est l'amour incarné. Alors grâce à nous quoi finir les Satan arrivant là. Alors qui maintenant nous peut concilier un Dieu rempli d'amour et puis un Dieu rempli de vengeance. Ben c'est ça, un Dieu qui est rempli d'amour, qui n'a pas existé un seul instant, dit Baïch Ligasson. Mais ça coûte. Oui. Ça coûte. Ça n'y a pas gratuit au point de vue du côté du bon Dieu, parce que ça coûte un sacrifice. Et de même que bon Dieu, maintenant, qui, ben nous, tout ça nous tenait depuis la Genèse, pour nous gérer, pour nous vivre, obligés, nous n'y comptons rien, parce que nous sommes des économes. Mais oui, nous mais obligés oui. à rendre des comptes. Maintenant, si nous pas trouver qu'on nous fidèle, maintenant nous caï passer d'où caï rétribution nous c'est caï le jugement. Mais si nous trouver nous fidèle et puis servir et puis aimer bon Dieu, eh bien c'est ça nous voilà. Esaïe pour maintenant une ouverture sur la nouvelle terre. Merci Gracien. Nous fidèle. Merci, merci. Bon moment, c'est toi qui m'en tiens parce que nous avons l'occasion d'y aller encore plus loin. Merci. Mais merci bon Dieu pour moment là. À nous prier. Papa Dieu, nous avons merci pour l'occasion bah nous aujourd'hui à dire ouvert parole là et puis les promesses qui a dégagé. Nous parler rester dans les ténèbres puisque la lumière vient à son nom. Jésus-Christ qui bah nous le Saint-Esprit pour éclairer nous, pour faire nous comprendre l'état nous et puis diriger nous vers le salut éternel. Merci. Bénis le monde entier, s'il vous plaît, mon Dieu. Moun qui a lité pour sortir un péché, dit arrêtez lité parce que vous qui a fait yo sorti depuis yo mettez chez yo pour avancer. Bon Dieu, puisque vous faites nous la promesse, que vous quoi éclairer nous, vous quoi délivrer nous, ça nous laisse accepter Jésus en Dieu. Bénis nous en nom Jésus. Amen. 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 Amen.